Et yo, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Fou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce sur Red Dead Online. On continue un petit peu la lancée de Red Dead Online et GTA 59 sur les astuces comme j'ai pu commencer sur ma chaîne. Et comme je vous avais dit, je vous présenterai quelques petites astuces que moi je sais et ce que j'ai appris sur ce jeu. Personnellement, Red Dead Online est passé dans mon estime au-delà de GTA 59. J'en parlerai plus tard lors d'une vidéo GTA justement. Mais aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler comment débuter Red Dead Online réellement. Donc déjà, bon, hop, je vais réactiver tout ça. Je vous montre l'argent que du coup notre Marianne ici présente tout simplement a. Donc 269 lingots et 39 pépites et 31 499 $. Alors évidemment, ceci c'est du farm, évidemment, c'est quelques heures de jeu. Il y a des personnes qui ont farm 100 000 déjà. Bon, vous verrez des gens qui ont peut-être $1 million, mais ça par contre, il faut savoir un truc. C'est soit des gens qui ont clairement profité de bugs pendant la bêta, c'est clairement des gens qui n'ont pas forcément farm, mais surtout un petit peu cheat, on va dire, sur le jeu. Mais en vrai, des gens qui ont vraiment farm, vous verrez souvent du 50 000, du 100 000 dollars. Il y a des gens qui ont, bon, j'ai vu des gens qui ont aussi 1 million de lingots, sauf que ça c'est typiquement impossible avec tout ce qui est achetable en lingots sur Red Dead Online. Même pour vous dire, je vais vous montrer une petite chose. En vrai, les statistiques, moi pour ma part, en plus ils sont sacrément fautés. Alors oui, non, c'est pas là, du coup, c'est pas du tout là. Alors hop, c'est dans le joueur. Hop, ici, Marianne Ambram. Du coup, pour vous montrer... Ça, c'est la première fois qu'elle est en peau parfaite, d'ailleurs. Température, non, ça, c'est pas ça. C'est dans les statistiques. Voilà, regardez l'argent que j'ai. Je serais déjà à 825 000. Non, à 82 544 dollars et 13 cents. Ce qui est très loin des personnes qui ont déjà 1 million. Même si bon, il n'y avait pas beaucoup de... Et je tiens à dire que mon personnage a déjà 1 an. Et regardez mon nombre de lingots, 865 lingots. Et c'est pour vous dire qu'en vrai, je suis à 200 lingots. Donc dites-vous que j'en ai dépensé que déjà 191 lingots. Donc avec le nombre de choses qui est achetable par lingot sur Red Dead, quelqu'un qui a 1 million de lingots ou quelqu'un qui a plus d'1 million même d'ailleurs de dollars, c'est forcément quelqu'un qui a profité des bugs pendant la bêta. Et c'est forcément... quelqu'un qui, bah, à l'heure actuelle, bah, cheat encore sur le jeu, parce que oui, Red Dead, même s'il est quand même très bien, il est quand même stable comme jeu, il y a quand même quelques petits bugs et que les joueurs peuvent en profiter. Bref, du coup, pour cette petite base, leçon, on va dire, entre parenthèses, de morale, je voulais juste vous dire une petite chose. Prenez votre temps, c'est un jeu à la base. Quand vous commencez Red Dead Online, il faut vous dire que Red Dead, c'est vraiment un jeu dans une partie de survie. C'est-à-dire que je rappelle que votre personnage, vous débutez dans Red Dead Online, vous êtes à la base prisonnier, prisonnière. Pour Marianne, pour le cas, elle a été prisonnière. Voilà. Et pour l'histoire de vos personnages, je ne vais pas vous spoil. Je vous laisse commencer Red Dead Online tranquillement. Vous découvrirez parce que tout simplement, quand vous commencez Red Dead Online, vous avez quelques petites missions scénarisées qui sont à faire évidemment. Parce que ces missions scénarisées vont vous aider. Je vous donne un indice, pourquoi votre personnage a été en prison et surtout à cause de qui. Voilà, et pourquoi vous êtes amené du coup à devenir en gros un hors-la-loi. Voilà. Alors, deux choses différentes. Sur Red Dead, un hors-la-loi et un criminel, c'est deux choses différentes. Alors oui, dans notre époque actuelle, le 21e siècle, c'est tout simplement en gros... un criminel ou un hors-la-loi, c'est la même chose. Mais à l'époque du Far West, un hors-la-loi et un criminel... Voilà, bon, après, je vous l'accorde, il y a quelques similitudes, mais la petite différence qu'il y a entre un hors-la-loi et un criminel, vraiment, c'est lui, il en a rien à foutre, il va tuer sans arrêt, il va voler, il va... Enfin, bref, commettre des crimes. Qu'un hors-la-loi, en fait, il peut être chasseur de primes tout en faisant des trucs derrière. Voilà, c'est ça la petite différence du hors-la-loi et du criminel. Parlons de la barre qui est juste en bas, donc la barre de respect. Tout simplement, cette barre-là... au tout début, essayez de la descendre dans le rouge, histoire de tout faire, toutes les missions scénarisées, puisqu'en plus dans les missions scénarisées vous pouvez faire un braquage. Bon, le braquage rapporte rien en soi, mais voilà, ça coûte toujours un petit peu de le faire, parce que pour évidemment le braquage, il faut être compté comme criminel pour le faire. Après, votre barre, vous pouvez la monter dans le respect, donc dans le blanc. Marianne, elle est respectable. D'ailleurs, merde, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer surtout, en gros, alors, il est où alors, légende. Légende, et nous, notre... voilà, le vieux John. Vous pouvez très bien aller voir John pour être loyal ou déloyal. Vous en avez 3 dans la map. Donc après, il faut savoir que c'est payable en lingots aussi. Je crois que c'est 3 lingots ou 2 lingots, je crois. Donc c'est pas si cher que ça. En vrai, dans lingots, maintenant, sur Red Dead Online, on se le fait en peut-être 2 heures, 3 heures. Voilà, clairement, de parties. Après, une fois que vous avez fait les missions de, contact, donc les missions scénarisées, évidemment, vous serez toujours trop pauvre pour pouvoir faire des chasseurs de primes, collectionneurs, naturalistes et marchands. Évidemment, faites toutes les missions. Alors après, ça dépend, parce que faites gaffe. Moi, regardez, celui-là, il est inconnu. Parce que pourquoi? Parce que celui-ci, par exemple, qui est au niveau de la grâce, cet inconnu-là, je l'ai jamais fait, parce que vous allez voir qu'en gros, cette personne-là vous rend totalement déloyal. Donc voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il y a des inconnus qui vous rendent déloyal et d'autres qui sont respectables. C'est pareil. Voilà. Tammy, je crois qu'en gros, Tammy, je l'ai fait pendant la bêta. Ouais, c'est ceux qui mangent des humains, donc les cannibales. D'ailleurs, je me rends compte que je suis juste à côté d'eux, d'ailleurs. Et en gros, eux, ils vous rendent aussi déloyal. Ici, le Joe, je crois que Joe, en fait, Joe, c'est pareil, déloyal. Mais après, voilà. En gros, vous faites gaffe vraiment quand vous acceptez une mission. Si ça vous rend déloyal ou loyal, donc blanc ou rouge. En gros, vous avez, pour faire simple, vous avez ici, la barre, la petite tête de cow-boy. Si c'est respectable, la tête de cow-boy, elle sera affichée en blanc. Si c'est déloyal, elle sera affichée logiquement en rouge. Voilà pour la partie des inconnus. Donc les inconnus, évidemment, hein, ils seront affichés sur la carte par des petits trucs comme ça. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous avez 2 métiers, vraiment, que je vous conseille de le faire, parce que chasseur de primes, ça peut vachement vous aider au niveau des lingots, et prenez aussi collectionneur. C'est les 2 premiers métiers que vous devez prendre, absolument, parce que, par exemple, Madame Nazar, quand vous allez ramasser des cartes de tarot, des bouteilles et tout, tout simplement, c'est Madame Nazar qui va bien vous payer en niveau dollar, et le chasseur de primes, lui, il va quand même bien vous payer aussi en lingots. Je crois que maintenant, alors, je crois que c'était pendant que c'était double lingot, enfin double XP et double dollar et lingot, je crois que c'était 0,38. Enfin, je crois que non, d'ailleurs, c'est encore 0,38. Donc des pépites qui vous donnent, mais voilà. Petite chose aussi importante, et c'est pareil pour les missions inconnues, si vous voulez gagner un max de lingots pour les missions inconnues, un max de lingots pour les chasseurs de primes, évidemment, tout simplement, ce qui est logique, vous attendez, enfin ce qui est logique, non parce qu'on ne le pense pas forcément, mais vous attendez les 30 dernières secondes avant de livrer votre marchandise, avant de livrer votre prime. C'est important. Pourquoi? Parce que ceci vous donne un boost d'XP et un boost de pépites et de dollars aussi au passage. Après, Madame Nazar, vous n'avez pas de temps à pouvoir les vendre, tout simplement. Dès que vous la voyez, dès que vous avez des trucs à vendre, vous lui vendez et ça vous donne pas mal d'argent au niveau dollar. Madame Nazar donne que des dollars et chasseur de primes donne des dollars et des lingots. Donc c'est pour ça que commencez vraiment en métier achetable. Prenez tout simplement le chasseur de primes et collectionneur. Après, en 3e métier, évidemment, par contre lui donne évidemment que des dollars, c'est tout simplement la distillerie. Parce que la distillerie, au début, vous allez être payé que 144 $. Et après, une fois que vous aurez tous les matériels et que vous aurez ramassé des plantes, des framboises, même des boîtes de conserve de fruits, etc., et ben là, vous arriverez au moment où vous pourrez revendre de l'alcool à 200 $. Voilà, 200 $, je crois que c'est 224 $ d'ailleurs, que vous pouvez revendre votre alcool de contrebande. Après, naturaliste, moi je le trouve pas une grande utilité, puisque bah, je peux même vous montrer la preuve. Hein. Personnellement, moi je trouve que bah, déjà dans l'avancée du personnage Marianne, pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, vous savez que c'est une histoire, hein, ce personnage. Et moi de base, le naturaliste est arrivé trop tard. Et du coup pour moi, bah voilà, je suis niveau 19 et vous pouvez voir que niveau level, j'ai tout fait. Voilà, collectionneur à fond, marchand à fond, Destillateur clandestin à fond. Il n'y a que le naturaliste qui lui manque quelques XP pour être niveau 20. Parce que je le trouve pas très utile pour gagner de l'argent. Surtout que c'est ultra lent. Et c'est pas avec ça que vous allez gagner pas mal de thunes au niveau argent, au niveau pépite. Et d'ailleurs le naturaliste, je crois qu'il donne que pour les missions scénarisées. Il donne un petit peu de pépite. Mais bon, pour ce qu'il est, moi pour moi, il ne sert pas à grand chose. Après, le marchand, lui, par contre, sert à quelque chose, puisqu'il, quand même, au niveau... Tiens, Cripps qui commence à faire de la musique. Au niveau, tout simplement, de l'étape de boucher, vous pouvez aller chasser des animaux entiers. Alors, attention, Cripps ne prend pas tout ce qui est souris, machin, enfin, tout ce qui est tout petit. Il prend vraiment les animaux entiers, déjà, donc non dépecés. Et le maximum qui peut donner le plus et remplir votre barre, c'est tout simplement... des 2 étoiles ou des 3 étoiles. Je sais pas pour, si j'ai du matériel à vous donner. Par exemple, regardez, j'ai une chauve-souris, ça me donne que dalle. Là, par contre, regardez, 3 étoiles, ça me remplit un petit peu. D'ailleurs, je vais lui donner. Voilà, regardez ce que ça m'a rempli, du coup. Ça m'a rempli quasiment que dalle. Là, il va encore travailler pour juste une chauve-souris et une peau. Mais voilà, prenez vraiment que des 3 étoiles. Les louis, il le prend. Chose à savoir pour le marchand, le cougar, par contre, lui, même en mauvais état, prenez-le. Si vous avez un chariot, mettez dans votre chariot et votre chariot conservera votre cougar ou votre animal que vous avez mis dedans ou les animaux que vous avez mis dedans, même si vous quittez la session. Vous changez de session, vous rappelez votre chariot et vous donnez ça à Cripps et Cripps fera le boulot et vous donnera 100 $, je crois. Et je crois que ça peut aller jusqu'à 500 $. Donc en gros, dans le top 1, au tout début, faites les inconnus, les missions scénarisées, les inconnus. Après, vous prenez les chasseurs de primes, collectionneurs. Et après, une fois que vous avez vraiment bien avancé dans l'aspect, vous prenez le marchand et le naturaliste si vous souhaitez, si vous trouvez qu'il a une utilité, évidemment, pour vous. C'est chacun ses goûts. Voilà, après, pour certains, moi, j'aurais préféré que le naturaliste arrive avant la distillerie, en tout cas pour Marianne, puisque ça aurait été dans son histoire le plus logique. Bref, ça se fait 12 minutes de vidéo. Je pense que j'aurais fait une petite... première sur cette vidéo, donc si vous êtes venu à la première ou si vous regardez cette vidéo après la première, bah je vous remercie, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir donné votre avis en commentaire ou même en pouce bleu. Voilà, c'était vraiment une petite information pour Red Dead Online, pour comment débuter Red Dead Online tout simplement. Et évidemment, on vous fera quelques petits gameplays, moi et GG, avec les exemples de 30 secondes, etc. pour vous montrer que évidemment, ce n'est pas du bullshit, ça fonctionne. Bref, merci d'avoir suivi la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche et à liker cette vidéo, à commenter si vous souhaitez. Moi je vous retrouve pour dès demain un épisode spécial LSPDFR, spécial Noël, et je vous retrouve vendredi aussi pour un autre épisode LSPDFR que lui sera comme d'habitude, évidemment, épisode normal. Bref, sur ce on se retrouve pour d'autres vidéos, c'était Monsieur Fou, ciao, bye bye.